Depuis sa victoire en février 2024 face à Julien lors de la finale de la Star Academy, la vie de Pierre Garnier a radicalement changé. Le jeune homme originaire de Caen enchaîne les succès. Son premier single, « Ce qu'on était », est un véritable carton. Il a quitté le domicile familial pour s'installer dans un appartement en centre-ville et participe actuellement à la grande tournée des Zéniths avec ses camarades de l'émission. Un rythme effréné pour ce nouvel artiste propulsé sur le devant de la scène en quelques mois. Cependant, ce vendredi, Pierre Garnier a dû annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans. Dans une story Instagram, il a déclaré « Malheureusement, je suis malade aujourd'hui. Les médecins que j'ai consultés m'ont indiqué que je devais me reposer ces prochains jours. Je ne serai donc, à mon grand regret, pas présent sur scène ce soir et ce week-end. » Le chanteur promet néanmoins de revenir la semaine prochaine et assure qu'il « fait confiance à toute la team pour offrir le meilleur des shows » en son absence. Un message rassurant, mais qui ne suffira pas à apaiser la déception de ceux qui avaient prévu de le voir sur scène ces prochains jours. Ce n'est malheureusement pas la première fois que Pierre Garnier doit renoncer à monter sur scène pour des raisons de santé. En mai dernier, il avait déjà dû annuler sa présence à des concerts de la tournée Star Academy en raison d'une voix « fragilisée », selon les médecins. À l'époque, il avait posté un message similaire sur les réseaux sociaux. Cette récidive en un mois soulève des questions sur l'état de santé réel du jeune artiste et sur le rythme intense qu'il subit depuis sa sortie du château de Damary-les-Lys. Beaucoup de fans s'inquiètent et espèrent qu'il pourra récupérer rapidement pour revenir en pleine forme.